Donc, à la demande de certains, je vous explique maintenant comment faire du yaourt avec la turbine à glace et yaourtière Koro, dont vous avez le lien juste ici. Donc, en fait, ce n'est pas du tout intuitif et pas très bien expliqué dans la notice. Donc, c'est tout simple. Vous allez préparer votre préparation à yaourt et vous allez la mettre dans le bac sans le fouet. Ensuite, vous allez fermer le couvercle. La machine est donc branchée. Vous appuyez sur le bouton de mise en marche. Vous choisissez dans le menu, en appuyant sur menu, le mode yaourt. Là, avec la petite roue, vous allez pouvoir sélectionner le temps que vous voulez. D'accord? Et ensuite, vous appuyez sur play. Et lorsque vous voyez que le numéro et la petite icône clignote, c'est bon, votre yaourtière est en marche, donc 10 heures plus tard, votre yaourt sera prêt. Je vous mets une petite vidéo du résultat après 10 heures avec du yaourt nature et pour que vous puissiez voir la texture dans la story suivante.